Bonjour à tous. Je vais donc présider la première session de ce colloque consacré au fondement de la discrimination. Et cette session est intitulée « Représentation et discrimination croisées ». Et nous allons écouter successivement Madame Jouida Seili, professeure de sociologie à l'Université de Reims, Monsieur Joseph Kébé Nguema, qui est en ligne, qui est doctorant en études germaniques à Sorbonne Université, et Marie Lecronier-Witkowski, qui est doctorante en littérature française et comparée de Sorbonne Université. Je vais tout de suite donner la parole à Madame Jouida Seili, que je vais présenter. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, membre du Centre d'études de recherche sur les emplois et la professionnalisation. Vous êtes spécialiste de sociologie du travail et vos travaux portent notamment sur les nouveaux critères de compétences professionnelles porteurs d'une rhétorique discriminante et de valorisation de différences naturelles, genrées et racialisées. La dernière publication que vous avez faite est intitulée « L'intersectionnalité au travail, articuler les rapports sociaux de classe, de race et de genre » dans la revue « Travail, genre et société », le numéro 44. Récemment paru, c'est-à-dire en 2020. Je vais donc vous donner la parole et vous proposer de nous parler du sujet suivant, l'approche intersectionnelle, entre parenthèses, genre, classe, race, pour analyser la production des discriminations dans le monde du travail, quels enseignements pour l'université. Vous avez 15 minutes, alors je vous prie de tenir compte de cette contrainte qui nous permettra, bien sûr, n'est-ce pas, tout à l'heure, de pouvoir débattre tous ensemble. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je remercie pour leur invitation toutes les organisatrices de ce colloque bien prometteur au regard du programme. Pour tenir le temps imparti, mais je suis un peu comme Béate, 15 minutes donc, et afin d'éviter les digressions, je vais essayer de m'en tenir le plus possible à mon papier. Mon intervention s'intitule effectivement « L'approche intersectionnelle genre, classe, race » pour analyser la production des discriminations dans le monde du travail, quels enseignements pour l'université. Ce qui annonce deux prismes de ma posture sociologique. Le premier, en tant que sociologue du travail, je me suis particulièrement intéressée à la production des discriminations au sein de ce qu'on appelle communément le monde du travail, ou comme on dit aussi, le monde du travail dit productif, même si c'est des catégories qu'on peut aujourd'hui déconstruire. Le deuxième prisme est que je me situe aujourd'hui fondamentalement dans une approche intersectionnelle, effectivement, pour comprendre ce qu'est la complexité des rapports et des relations sociales. Alors, toujours pour introduire mon propos, je vous propose une définition de l'approche intersectionnelle, justement, pour dire les choses. Pour moi, l'approche intersectionnelle, c'est le fait de croiser différents rapports de domination entre eux. En somme, c'est un concept outil, dans le bon sens du terme, qui s'inscrit dans le constat que les individus endossent une pluralité d'identités sociales produisant des situations à chaque fois très spécifiques. Nous pouvons être femmes, et c'est une catégorie d'analyse, femmes et pauvres, et c'est une autre catégorie d'analyse, femmes, pauvres et lesbiennes, et c'est encore une autre catégorie, femmes, pauvres, lesbiennes et noires, et c'est encore une autre catégorie d'analyse, etc., etc. Je fais un petit rappel quand même, en 1989, c'est la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw qui démontre finement comment face aux juges, les avocates sont obligés de construire une stratégie pouvant conduire paradoxalement à invisibiliser la pluralité des discriminations vécues. Effectivement, en droit, c'est généralement le critère de discrimination le plus protégé qui est choisi au détriment des autres. Si on subit une discrimination en tant que femme, donc dans un comparatif femme-homme, mais qu'on est noire également, dans un comparatif noir-blanc, comment rendre compte alors de la situation particulière des femmes noires qui subissent une discrimination spécifique ? Si les critères de discrimination, donc comment faire si les critères de discrimination ne prennent pas en compte eux-mêmes les imbrications, ces différentes imbrications, être femme mais aussi noire. Béate Collet a rappelé dans son introduction les nombreux critères de discrimination. Hein, selon les défenseurs des droits, il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui. Elle nous a rappelé qu'effectivement, ils ne pouvaient pas être hiérarchisés, mais du coup aussi. Et paradoxalement, leur nombre important, le fait qu'on ne peut pas les hiérarchiser,
impose aussi d'une certaine manière ou rend difficile la possibilité de les imbriquer les uns aux autres. Et c'est ça qui peut être problématique. Alors progressivement, le concept d'intersectionnalité s'est diffusé. Au niveau de la sociologie, moi, il me semble que c'est une notion qui permet non seulement de prendre en compte deux choses, de penser les hiérarchies sociales qui pèsent sur les minorités. Ici, du coup, nous allons bien avoir des processus d'altération ou d'infériorisation qui vont être liés au genre, à l'origine, à la nationalité, à l'appartenance religieuse, raciale des personnes concernées. Le deuxième point important aussi, c'est que la notion d'intersectionnalité, elle permet, selon moi, de casser l'apparente homogénéité des groupes dominants, mais aussi des groupes dits dominés. Voilà, après ce préambule, et ceci étant dit, je vous propose maintenant un plan en trois points qui vont reprendre justement les éléments annoncés dans mon argumentaire. Premier point autour des mutations du travail, qui s'arriment, selon moi, toujours à des processus inégalitaires, structurants et des stratifications sociales construites notamment sur la base du genre, de la race et de la classe. En fait, pour me situer, je me suis spécifiquement intéressée au niveau dispositif managériaux d'évaluation du travail qui ont été mises en œuvre au sein des DRH via des dispositifs, peut-être que ça vous parle, qu'on appelle les GPEC, par exemple, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Des dispositifs qui vont valoriser les compétences et peu à peu déprécier d'une certaine manière les qualifications. Je le dis vite, mais s'il y a des questions, évidemment, je pourrai répondre. Alors, vous pourriez vous demander quel rapport avec la question des discriminations. Ben, je me propose d'en vous en faire la démonstration. Vous montrez que la logique compétence est un indicateur illustratif des discriminations contemporaines. Alors, jusqu'aux années 1980, on passe donc dans le monde du travail à une évaluation basée sur les qualifications. On n'est pas complètement passé de l'un à l'autre, mais quand même, il y a un glissement qui s'est opéré. Qualification où c'était le diplôme, l'expérience des individus qui étaient valorisés. D'une certaine manière, c'était leur savoir-faire qui était valorisé. Et puis, peu à peu, on glisse vers une évaluation du travail basée sur les compétences. Et là, ce qui est évalué, c'est la capacité individuelle de changer, de s'adapter, en valorisant notamment ses compétences en termes de savoir-être. Et ce n'est évidemment absolument pas la même mesure d'appréciation. D'ailleurs, on note aujourd'hui que cette modalité d'évaluation par les compétences vaut dans d'autres espaces. Par exemple, dès la maternelle, les enfants aujourd'hui sont évalués sur la base de leurs compétences. Celles acquises, celles en cours d'acquisition, celles non acquises. Et à l'université également, hein, on voit bien qu'on a introduit la notion de bloc de compétences présentée comme une solution susceptible de sécuriser et surtout finalement de pouvoir individualiser les parcours des étudiants et des étudiantes. Donc on voit que cette logique compétence, elle traverse aujourd'hui, au-delà du monde du travail, d'autres espaces. Avec la logique compétence, tout semble résider dans la capacité que peuvent avoir les individus à mobiliser leur autonomie, leur responsabilité, tout ça c'est des critères de compétence, hein, autonomie, responsabilité, réactivité subjective et personnelle, en s'adaptant aux compétences qui sont attendues, qui sont clairement énoncées, souvent dans des référentiels, sachant que ces critères de compétence peuvent être en constante reformulation. D'une année sur l'autre, on peut reformuler les compétences, ce qui n'était pas tout à fait le cas avec les qualifications, puisque c'était le diplôme et l'expérience. Ce modèle va largement contribuer à la mise en œuvre de politiques d'individualisation qui laissent entrevoir une nouvelle façon d'appréhender les rapports hiérarchiques, les relations sociales d'une certaine manière, a priori qui vont devenir plus directes, plus transparents, surtout parce qu'il y a une possibilité parfois de les contractualiser au moyen de bilans de compétences, par exemple, dans le monde de l'entreprise, mais aussi en réalité dans le monde de la formation. Dans ce nouveau discours du management, la proposition est faite à chacun, de se développer personnellement et les nouvelles organisations de travail sont censées solliciter toutes les capacités, je le répète, des individus qui pourront ainsi être a priori, à condition qu'elles fassent ou qu'ils fassent l'effort, de s'épanouir pleinement. On peut penser ici aux soft skills, hein, donc les compétences douces, c'est un terme qu'on voit de plus en plus apparaître, qui désigne à la fois l'intelligence mais relationnelle,
qui désigne les capacités de communication, le caractère, les aptitudes interpersonnelles, etc. Bref, toutes ces capacités complémentaires à celles qui s'apprennent et se mesurent, que l'on nomme par opposition les hard skills. Des compétences finalement qui ne sont pas forcément toujours très quantifiables, absolument individuelles, et donc également qui peuvent être également source de discrimination. Parce qu'en réalité, on peut avoir ce type de compétences, tout le monde pour autant ne dispose pas des mêmes capitaux pour les mettre en œuvre. Et ça, c'est un peu l'oubli de l'histoire. Enfin, c'est comme si pour être plus performant, ou plutôt pour être performant, performante, ou plutôt pour être reconnu comme pouvant être performant ou performante, il suffit de le vouloir. On est ici dans une conception quasiment psychologique et relationnelle de l'individu au travail et des pratiques de soi dans l'organisation qui va de pair avec tous les discours actuels de capacité de résilience, du développement personnel, de coaching, etc. En somme, comme je vous propose de le développer dans mon point 2, ces mutations des dispositifs d'évaluation du travail donne l'illusion de se libérer des processus inégalitaires, pourtant structurants, et des stratifications sociales construites notamment sur la base du genre, de la race et de la classe. Donc mon point 2, autour du monde du travail et de ses organisations, donc, montre que c'est des produits des rapports de domination. Alors, à partir de cette première étape de réflexion, ça m'a permis de mettre en évidence et d'analyser ce que j'ai appelé une progressive diffusion d'un argumentaire différentialiste. On en a parlé aussi dans les propos introductifs. Un argumentaire différentialiste qui va être, d'une certaine manière, au service de la société de travail. Et vraiment, la société de travail, je mets entre guillemets, c'est la société de travail, notre société en réalité, qui est organisée autour du travail, est appliquée par exemple à la valorisation, moi j'ai particulièrement travaillé là-dessus avec Irène Jonas, la valorisation du management au féminin. On a vu apparaître des discours qui valorisaient le management au féminin ou encore à la reconnaissance sélective des compétences de personnes dites issues de l'immigration ou perçues comme telles. Alors, transformation fondamentale qui marque, selon moi, le passage d'une logique d'égalité, c'est l'égalité qui prime, à ce qu'on a appelé une logique de complémentarité, en fait. C'est d'abord via une approche basée sur les études de genre que je tente de démontrer que cette argumentation différentialiste qui différencialise les individus, en fait, les hommes, les femmes notamment, et puis toutes les autres inégalités. Ce discours, cet argumentaire revenait en force, donc à partir des années 1980. Les discours managériaux qui valorisent la reconnaissance des talents féminins, par exemple, spécifiques, dans une perspective de discrimination positive, et là je suis dans une approche plutôt critique de ces approches de discrimination positive, sont pour le moins ambiguës, parce qu'ils conduisent à reconnaître l'accès des femmes aux postes de responsabilité, non pas pour leur identité universelle, voilà, mais pour une identité façonnée par leur nature femme, ou par l'oppression dont elles sont victimes. De plus, par leur large diffusion, il semble supposer que la marche vers la mixité est plus que jamais en voie d'avènement, à condition que les femmes acceptent de se redéfinir en tant qu'autres, des femmes, différentes, mais complémentaires à l'autre, ici les hommes, en promouvant leur spécificité féminine. Parallèlement à cela, ce sont fondamentalement d'autres activités de recherche, mais aussi d'enseignement, et notamment la création d'un master portant sur les inégalités et discriminations, qui m'ont amené à articuler les questions de genre à celles de race et puis plus tardivement de classe, m'invitant par là même à envisager d'investir progressivement une approche intersectionnelle. En fait, dans le monde du travail, via un habile retournement conceptuel, la lutte contre les inégalités et les discriminations a laissé progressivement, elle aussi, place à un certain éloge de la diversité. Ainsi légitimée, la notion de diversité semble autoriser d'envisager aussi que la différence soit un fait immuable, voire naturel, que cette différence elle puisse être revendiquée même comme un droit. En ce sens, la diversité, entendue comme un outil de management, masque paradoxalement, selon moi, là encore, les inégalités et discriminations réelles, en juxtaposant, en compartimentant des publics, en les distinguant les uns par rapport aux autres, plutôt qu'en les prenant en compte dans leur globalité intersectionnelle.
L'un des aspects séducteurs de la notion de diversité réside dans son inclination à référer, là aussi, à des individus, plutôt qu'à des groupes, hein, des individus qui sont autonomes, qui sont proactifs, qui seraient en quelque sorte libérés de leur genre, de leur origine et autres. De plus, l'affichage de la diversité des origines sociales et culturelles, en termes d'exemplarité ou du mérite, présente un biais plus que tendancieux, selon moi, celui du tokenisme. Alors ça, c'est, je réfère ici directement aux travaux de Papa Ndiaye, qui intervient en plus dans ce beau programme. Le tokenisme, en fait, se définit comme étant l'inclusion très limitée d'une minorité visible dans des cercles de pouvoir, notamment, en focalisant sur la possibilité pour certains évalués comme étant plus talentueux, en leur réservant les places, les quelques places ici privilégiées dans la diversité, ou les places moins privilégiées de la diversité. On voit bien qu'il y a des emplois qui regroupent majoritairement des personnes issues de la diversité, qui ne sont pas forcément les mieux placées dans la hiérarchie. Bref, on ne fait que masquer le système d'une reproduction des inégalités et discriminations. De plus, il permet de justifier une hiérarchisation sociale tout en favorisant la reproduction des dominations par ceux-là même qui appartiennent à des groupes discriminés par les tokens, d'une certaine manière. Alors, par la force symbolique de l'exemple, et la valorisation du tokenisme, je postule que les individus désignés notamment comme étant issus de la diversité, et ça comprend là encore à chaque fois genre, race, etc., même handicap, sont plus que les autres invités à recourir à un véritable travail sur soi pour se voir reconnaître et pouvoir se voir attribuer une place dans une hiérarchie qui reste encore relativement inégalitaire. Mon troisième point, qui était la question en tant que structure organisationnelle, l'université s'inscrit-elle dans ce même processus ? Effectivement, on peut se poser la question, on a quand même une rhétorique française qui prône des valeurs dites universalistes, égalitaires, notamment au sein des institutions, des établissements, des universités. Est-ce que justement cette rhétorique permet réellement d'y échapper ? Ou au contraire, est-ce que l'université française, en tant qu'espace aussi fortement hiérarchisé, participe-t-elle pas également au renforcement, disons-le, de multiples mécanismes d'infériorisation et de discrimination continuelle et complexe, à l'instar des organisations de travail? Alors moi, la question que je pose, c'est pourquoi les universités échapperaient-elles à ces mêmes processus que dans le monde du travail? Après tout, ce sont des organisations de travail très proches dans leur fonctionnement de celles des entreprises. Elles ont une organisation structurelle très hiérarchisée en services, des UFR, des composantes, une gouvernance, des organes, des instances, dont le CHSCT. Elles ont également une organisation fonctionnelle qui nécessite le pilotage de la masse salariale, des emplois, la gestion du dialogue social, le contrôle de la qualité des comptes, des établissements. Et puis, elles ont une certaine clientèle, si je peux me permettre, je mets des guillemets, évidemment, c'est les étudiants. Il nous semble d'ailleurs que la loi LRU, la loi Pécresse de 2007, sur l'autonomie des universités, peut accentuer ce rapprochement en fait entre ce qui se passe dans le monde du travail et l'université, puisqu'elle instaure la possible mise en concurrence des universités entre elles, tant dans leur forme dans leur offre de formation, l'attraction des publics, etc. Il s'agit aujourd'hui fondamentalement aussi pour les universités de se positionner par rapport à l'offre de formation privée. Et tout ça, pourtant, et pour les universités, dans des injonctions paradoxales, parce que les universités se doivent de respecter les textes. Il a été rappelé ça aussi, les enseignements d'établissements supérieurs ont des objectifs, je lis les textes là, la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, comme point, un des points principaux. Deuxième point principal, c'est la lutte contre les discriminations, la réduction des inégalités sociales ou culturelles et la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui, et là j'aime le noter, en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté, rejoint mon propos, et la capacité, l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. À cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de la vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiantes à la communauté de leur établissement. Un troisième point que je trouve important aussi, qui est dans les textes, c'est la construction d'une société inclusive. À cette fin,
Il veille à favoriser l'inclusion des individus, et c'est écrit explicitement effectivement dans les textes, sans distinction d'origine, de milieu social et de conditions de santé. Pour autant, ces distinctions, elles existent. Donc comment faire avec toutes ces injonctions paradoxales? Alors l'université est-elle un modèle de réussite en la matière? On peut encore en douter. Je pense que Fabrice Dume et d'autres interventions du colloque vont en parler. Voilà, Fabrice Dume, il est plus spécialiste que moi sur les questions de discrimination au sein des universités. Et puis d'ailleurs, d'une certaine manière, le colloque d'aujourd'hui le prouve. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore une réflexion à mettre en œuvre, voilà, pour avancer. En tout cas, le colloque d'aujourd'hui prouve que ça se traduit aussi concrètement, cette lutte contre les discriminations dans certaines universités, du moins. Donc, et puis les propos introductifs du doyen Alain Talon, et puis encore une fois l'intervention de Béat Collet l'a bien montré. À titre d'illustratif, comme dans n'importe quelle entreprise, j'ai pris les postes à haute responsabilité au sein des universités. Mais je trouve que ça, c'est des exemples qui montrent bien que, bah, après, c'est plus compliqué que ça suive dans l'échelle, en fait. Les postes à haute responsabilité restent foncièrement masculins dans l'université. Pendant le premier semestre 2016, c'est pas très vieux, une grande partie des conseils centraux des universités a été renouvelée. On a 55 présidents qui ont été élus, dont 30 pour un premier mandat. Leur profil, très clairement, c'est un homme de 55 ans, professeur des universités, ancien vice-président, ayant effectué toute sa carrière dans son établissement. Alors, et puis il y a toujours le plafond de verre, hein, si on prend cette question. On a seulement 12 femmes qui occupent, alors on peut nous dire que 12 femmes c'est pas mal, qui occupent la tête des universités. Pour autant, il faudrait là aussi interroger le profil de ces femmes à l'aune de la notion d'intersectionnalité. Bon, c'est pas mon objectif ici. Et puis, de toute façon, il faut aussi faire attention parce que les chiffres montrent que les élections se suivent, ne se ressemblent pas. En 2008, elles étaient 15. Donc, on en a perdu quand même 3. Et puis, quand on pense à l'autre minorité de la communauté universitaire que constituent les présidents issus de la diversité, hein, comme on les appelle, ils sont encore moins représentés, puisque, sauf erreur de ma part, j'en ai noté 3, 3 parmi les nouveaux présidents élus, qui portent un prénom non francophone. C'est la méthodologie de l'Observatoire des discriminations, en fait, hein, qui a été utilisée ici. Et parmi ces 3 non issus de la diversité, ce sont tous des hommes. Alors, petite conclusion, quel prix faut-il payer pour trouver sa place? Le modèle de la compétence qui valorise plus spécifiquement le savoir-être, donc les attitudes comportementales attendues, l'esprit du tokenisme, les attitudes de l'exemplarité, suppose comme prix de faire la démonstration, moi me semble-t-il, la démonstration permanente de son intégration normative. Il s'agit de s'intégrer dans la norme encore et de son attitude à s'assimiler dans une conformité aux compétences qui sont attendues. Donc, ces compétences, selon moi, elles sont loin d'être neutres. Elles sont en réalité toujours déterminées par le genre, la classe, la race, la condition économique, hein, supposée des individus. C'est en cela qu'il me semble que l'approche intersectionnelle me semble plus que jamais heuristique à la compréhension de notre société et du renouvellement de construction des divisions du travail au sein même des universités, ce qui comprend évidemment les étudiants et les étudiantes. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation que je ne me hasarderai pas ici à résumer. On aura l'occasion, bien sûr, n'est-ce pas, d'y revenir tout à l'heure. Je vais donner la parole tout de suite à M. Joseph Kebengema, qui est doctorant contractuel en études germaniques à Sorbonne Université. Ses axes de recherche porte sur la littérature panallemande d'enfance et de jeunesse, les études à foi allemande et l'altérité. Il est assistant linguistique en Allemagne et professeur certifié stagiaire d'allemand
Et il est diplômé d'un master en langue et littérature allemande de l'Université de Nantes. Alors je vais lui donner la parole puisqu'il va nous parler de entre idéal et altération dans la littérature d'enfance et de jeunesse des deux Allemagnes. Je vais lui demander d'être aussi respectueux du temps que ma collègue, sinon un peu mieux peut-être que tout à l'heure, parce que je ne le vois pas. Donc à ma collègue encore, je pourrais lui faire signe tout à l'heure. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ah oui, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Kébé, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Parce que je ne le vois pas en plus. Alors là, s'il quitte et qu'il se reconnecte, je ne pourrais pas lui parler. Est-ce que vous pouvez quitter et vous reconnecter? Parce que s'il ne nous écoute pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Ah, il écoute, d'accord. Ah. Si on changeait pour gagner du temps. Oui, moi, je propose qu'on change pour gagner du temps, peut-être. Allez-y, ouais. Oui, mais Marie, faut que je... Il arrive. Il faut qu'il enlève ses écouteurs. Vous pouvez demander. Est-ce que vous pouvez enlever vos écouteurs, brancher votre micro et vous reconnecter? Donc, PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais passer la parole à Marie Le Clonier-Witkowski, qui est doctorante contractuelle en littérature française et comparée à Sorbonne Université, sur un sujet de thèse qui porte sur les écrivaines et les écrivains martiniquais et la Martinique, 1848-1932. J'ai la faiblesse de dire que je crois à peu près savoir ce dont elle va parler. Elle a fait une communication et rédigé un article dans le cadre des doctoriales de 2020 sur la représentation de l'altérité. Et il était intitulé, cet article, « Regard de peintre, parole de modèle, la réponse de l'autre dans la littérature francophone ». Elle nous propose aujourd'hui une communication dans le cadre de ce colloque qui est intitulé « Adieu Foulard, adieu Madra, la représentation des femmes dans la poésie martiniquaise 1848-1932 ». Je vous cède la parole. Pour 15 minutes, s'il vous plaît. Je vais essayer. Merci. Alors, je vais proposer maintenant une analyse littéraire des discriminations pour reprendre et illustrer un peu les propos de Béate Collet en introduction. Pour cette communication, je suis partie de la chanson « Adieu Foulard, adieu Madras » qui a été écrite par François-Claude de Bouillet, gouverneur de la Guadeloupe en 1769, et dont le titre est « Les adieux d'une créole ». Il s'agit d'une chanson guadeloupéenne adaptée en créole martiniquais, et dont l'influence a été retentissante également dans cet imaginaire martiniquais. Voilà. L'amante martiniquaise de couleur soupire cette chanson à l'instant du départ de son amant métropolitain en bateau. Donc vous avez le texte en créole martiniquais et la traduction. Adieu foulard, adieu madras, adieu grain d'or, adieu collier chou. Il s'agit de colliers typiques des Antilles. Mon amoureux s'en va, hélas, hélas, c'est pour toujours. Mon amoureux s'en va, hélas, hélas, c'est pour toujours. L'homme métropolitain blanc venu aux Antilles a possédé la femme le temps de son séjour, puis il l'a abandonnée. La femme martiniquaise chante ici sa tristesse. Elle n'était qu'un plaisir éphémère, un amour d'escale. Cette figuration de la femme éplorée laisse à entendre que celle-ci fait partie de la couleur locale pour le voyageur. Elle est une constituante de l'exotisme ou du tourisme. Rappelons qu'il s'agit d'une chanson écrite par un homme qui donne la parole à une femme. Cette représentation est donc bien la construction de l'homme, d'un homme blanc à l'époque coloniale et qui correspond à une vision occidentale des Antilles. Ici, le terme « doudou » est un terme créole mis dans la bouche de la femme pour traiter de l'homme blanc. Mais cette dénomination hypocoristique ne se rapporte pas qu'aux hommes métropolitains.
Elle désigne la femme elle-même, la femme martiniquaise, qui peut être une doudou, c'est-à-dire la femme aimée, la femme possédée, la maîtresse au charme sensuel et surtout une femme de couleur. On voit bien se dessiner ici le lien entre femme et relation amoureuse, sinon sexuelle. La représentation en littérature de la femme martiniquaise contribue à sa discrimination. En effet, elle fait l'objet d'un traitement différencié, inégalitaire, basé sur les critères de race et de genre à la fois. Elle est stigmatisée pour sa couleur, puisqu'elle n'est pas blanche, elle est plutôt métissée, et elle est hypersexualisée, réduite à sa fonction d'amante. Également, il s'agit d'une représentation discriminante incomplète, puisqu'elle ne représente pas les femmes coolies, les indiennes, ou les femmes noires, plus foncées. Se crée ainsi un mythe de la femme antillaise de couleur et séduisante, et qui évince toutes les autres femmes créoles qui ne rentrent pas dans ce canon. La représentation est également discriminante, puisqu'elle ne donne pas accès à la parole à ces femmes discriminées. Donc la doudou devient un topic de la représentation des Antilles, un mythe, si bien que toute la littérature exotique après l'abolition de l'esclavage en 1848 est qualifiée de doudouiste. Les écrivains martiniquais, essentiellement masculins, reprennent les clichés coloniaux, celui de la doudou, celui de l'exotisme, et témoignent ainsi de leur aliénation culturelle à la métropole et au regard de l'exote. Le poète reproduit des stéréotypes coloniaux, entraînant une discrimination envers les membres du même groupe que lui. En effet, le poète mulâtre, métis, s'extasie sur la beauté de la mulâtresse car il est transporté par sa sensualité. Il en oublie même de conférer une identité, un nom, à cette femme. Elle n'existe que pour sa couleur et pour ses charmes. On peut saisir comment le poète de couleur reproduit une discrimination raciale sur les femmes de couleur qui sont en outre hypersexualisées. C'est-à-dire qu'on veut bien représenter la femme de couleur, mais pas trop foncée et plutôt séduisante. Le reste des femmes ne sera pas représenté. Il est intéressant d'étudier la représentation de la femme martiniquaise dans la poésie afin d'y comprendre l'intersectionnalité des discriminations. Femme et de couleur, la martiniquaise n'a pas accès à la parole, à la représentation de soi, à la construction de son identité. Étant le produit des discours d'autrui, elle doit se battre pour accéder à sa parole et à sa représentation. On peut voir dans un premier temps que le poète martiniquais reproduit la discrimination raciale héritée du colonialisme. L'abolition de l'esclavage en 1848 ne met pas fin aux préjugés coloniaux et la représentation poétique de la femme témoigne en effet de la persistance du racisme hérité de l'esclavage. En effet, et c'est ce qui m'a interpellée, c'est que la femme représentée dans la poésie martiniquaise est la femme de couleur. Elle n'est pas blanche pour montrer la différence raciale avec la métropole, avec un lecteur blanc, afin d'éveiller également le goût de l'exotisme et de l'ailleurs. Ensuite, c'est une femme plutôt claire que foncée, issue du mélange des sangs. Ce seront donc la mulâtresse qui seront représentées, mélange entre noir et blanc, et la capresse, mélange entre noir et mulâtre. On aura donc une surreprésentation de la mulâtresse au détriment des autres femmes de couleur, encore considérées par le poète mulâtre comme trop foncées. C'est ce qu'explique le critique littéraire Jacques Corzani. La doudou est généralement mulâtresse car il ne faut pas heurter de front le goût métropolitain par des contrastes trop marqués. Elle est belle et langoureuse, ardente et lascive, plutôt facile, experte en plaisir amoureux, juste assez sentimentale pour flatter la vanité du mâle, mais pas trop pour ne pas risquer d'être encombrante lorsqu'on décide de s'en séparer. La littérature martiniquaise, après l'abolition de l'esclavage, demeure donc aliénée et reproduit les schémas racistes du colonialisme. Il s'agit de faire montre de l'exotisme, de reproduire l'image de carte postale grâce à la poésie. Et pour cela, quoi de mieux que l'image de la femme de couleur en costume local ? La femme n'a pas de nom, pas d'individualité, mais une couleur. Son identité, c'est le mélange des sangs. C'est ce que montre ce poème de Daniel Tally sur le Madras martiniquais en 1911. Martiniquaise, martiniquaise, poésie condensée de la terre créole, mulâtresse, capresse et négresse, tête un peu folle, que vous portez bien votre madras souple et multicolore. J'ai vu le mouchoir des Guadeloupéennes dont la queue retombe en volant et celui des prétentieuses cayennaises. Mais rien ne vaut votre façon de nouer le mouchoir, petite martiniquaise à la taille cambrée et aux yeux de braise. Dans ce poème, Daniel Tally, écrivain mulâtre, débite des généralités sur les femmes de couleur. L'identité de la femme est définie tout d'abord par son appartenance géographique, Martinique, Dominique, Guyane, et par sa nuance de couleur, mulâtresse, capresse, négresse. Dans cette énumération, on a également une gradation dans les degrés de couleur, puisque les femmes apparaissent
des plus claires aux plus foncées, donc de la mulâtresse à la capresse et à la négresse. La femme est définie par ses habits, les vêtements typiques, et apparaît comme faisant partie de l'univers de cartes postales. L'omniprésence du pluriel, notamment dans l'interpellation initiale, martiniquaise, martiniquaise, contribue à évincer les particularités. Le propos du poète est fortement généralisant, et on n'a pas plus d'informations sur ces femmes, finalement, que leur couleur de peau, leurs vêtements. On est dans quelque chose de très superficiel. Également, on peut retrouver dans ce poème l'idée que le poète galant a connu toutes les femmes des Antilles, mais dans cette énumération, veut flatter les martiniquaises comme les plus belles, non pas pour leur beauté physique, mais pour leur apparat. Comble de la superficialité. Donc. Ensuite, cette poésie de la race superficielle contribue à occulter la réalité sociale et raciale. La femme présentée est mulâtresse, ce n'est pas la négresse travailleuse des champs, car elle transcrit une réalité difficile, celle de la pauvreté et du travail agricole. Donc je reviens à mon critique Jacques Corzani, pardon. Pas question en tout cas d'évoquer les négresses coupeuses de canne, les négresses charbonnières alimentant les soutes des navires transatlantiques, les négresses élevant courageusement leur progéniture. La figure de la mulâtresse vendeuse de légumes ou petite bourgeoise apparaît comme plus plaisante. Elle cache la réalité des conditions de vie et de travail des ouvriers agricoles et elle occulte également une réalité sociale martiniquaise dans laquelle persistent les clivages raciaux et sociaux. On n'est pas encore dans une égalité totale, on a encore la rivalité entre les sangs. Et donc, la figure de la mulâtresse va permettre au poète de célébrer un idéal d'une société dans laquelle se mélangent les sangs. Les écrivains que j'étudie dans cette période sont majoritairement issus de la bourgeoisie mulâtre, qui a eu accès à l'éducation, un mode de vie qui permet le loisir et l'écriture. C'est un milieu privilégié qui surplombe, qui ne voit pas et ne dit pas la réalité, et donc occulte le racisme ambiant en célébrant le mélange des sangs. C'est ce qu'explique Chantal Meignan-Clavry en disant qu'il y a une fiction de la société présentée comme harmonieuse car issue du métissage. C'est surtout le personnage de la mulâtresse qui, dans la fiction d'une société pluriraciale et républicaine, représente une figure de compromis caractéristique de l'imaginaire colonial. Donc la poésie représente une vision édulcorée, idéale dans laquelle la femme est de couleur et plutôt claire. Et ce sera la mulâtresse qui sera au cœur des représentations car elle n'est pas trop foncée et qu'elle est la plus sensuelle des femmes antillaises. Donc la mulâtresse devient l'objet des regards, des désirs et fantasmes de l'homme, en croisant ici les discriminations à la fois de race et de genre. Elle est pulpeuse et sensuelle, réduite à son image de femme, cantonnée à son corps, à sa fonction d'amante, et ainsi infériorisée du fait de son sexe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les répercussions du mythe, c'est-à-dire que plus la mulâtresse est représentée, plus elle fait l'objet de discrimination et plus elle perd de son identité. Son corps est hypersexualisé au détriment de son individualité, de son consentement. C'est ce que montre à nouveau un poème de Daniel Tally, La marchande martiniquaise. Donc je vais proposer la lecture du début. La capresse aux yeux noirs et onduleuse et belle, devant son trait chargé de fruits au suc vermeil, de melons d'eau mûris dans l'or des clairs soleils, de mangue, d'ananas et de pommes cannelle. On la voit chaque jour dans la même ruelle. Son geste nonchalant est chaud comme un désir, et quand quelques passants lui sourient ou l'appellent, le clavier de ses dents s'éclaire de plaisir. Donc ici, tout d'abord, la femme est définie par sa couleur, c'est une capresse, elle n'a pas de nom. Son identité se résume à sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, mais également à sa sensualité, à son corps onduleux et au désir qui émane du lecteur face à cette femme. L'association aux fruits ici n'est pas d'une très grande originalité, mais elle donne une idée de la consommation immédiate de la femme et du produit, du fruit, moyennant notamment une somme d'argent. Cette figuration de la femme apparaît en filigrane retranscrire la relation des Antilles à la métropole. C'est le fantasme de l'amour facile, de la femme qui se laisse posséder, qui sera aussitôt abandonnée. Également, on a une image de la femme qui est soumise à l'hégémonie masculine et blanche. Et on peut comprendre cette idée comme une métaphore des relations de la Martinique à la métropole, notamment à partir de la chanson « Adieu foulard, adieu madras ». C'est ce qu'explique l'historien Richard Burton, qui explique les fonctions de la doudou. Et une des premières fonctions de la doudou, ce serait de voiler et justifier l'exploitation d'une Martinique féminine et souriante par un pouvoir métropolitain phallique.
Donc, loin de remettre en question cette domination coloniale, le discours poétique masculin, mulâtre et blanc, le perpétue et l'acier dans les mœurs. Les textes littéraires produits pendant la période que j'ai proposé d'étudier sont essentiellement des poètes masculins, issus d'un milieu privilégié. Cependant, c'est ce que je propose d'étudier en dernier point, c'est voir comment la minorité de femmes écrivaines prennent progressivement la parole et remettent en question progressivement ces hégémonies qui leur sont imposées. Donc pour sortir de cette double discrimination de race et de genre, cette construction d'un stéréotype, les écrivaines martiniquaises répondent par la prise de parole, la prise de possession de leur identité en écrivant une poésie, notamment à la première personne, et une poésie qui donne la parole aux femmes. Ainsi va se développer progressivement une manière de négritude qui a été développée sous le nom de mulâtritude féminine, selon les termes de Roger Little. Il évoque ce terme à partir des œuvres de Drastawell, qui est une poétesse écrivaine martiniquaise du début du XXe siècle, puisqu'on trouve dans ses textes le thème de la libération raciale et genrée, mais également on trouve une prise de parole qui revendique une identité. Oui, je suis de couleur, oui, je suis femme, et je prends la parole pour clamer mon identité. Se produit donc un passage, une inflexion d'une image carrément mièvre de la femme passive, ses peines de cœur dans un décor exotique, à une femme qui prend la parole et qui s'adresse notamment à l'homme. On trouvera un de ces exemples dans la poésie de Drastawell, évoquée précédemment, qui écrit un recueil de poèmes en 1916, dans lequel la martiniquaise mulâtresse représente des femmes créoles et leur donne la parole. Elle semble tout d'abord dénoncer les poncifs amoureux des hommes, et la femme qui prend la parole dans les poèmes reproche à l'homme notamment ses discours amoureux, mensongers ou son badinage. Mais ce qui est surtout important, et ce que je propose de voir, c'est que la femme qui prend la parole devient le sujet du désir. Elle n'est plus l'objet du discours, l'objet des regards et l'objet du désir. Elle s'affirme, prend la parole et célèbre notamment la beauté de l'homme noir. C'est ce qu'on peut voir dans ce poème, La fleur d'amour de Drastawell, notamment dans la dernière strophe. Je sais aussi une femme fidèle à son amour en lui inébranlable. On a beau lui redire « il est noir comme le diable, l'autre est blond comme le jour », elle répond chaque fois, et inlassablement, « il est beau comme la nuit, ses lèvres, quand il sourit, sont des portes de bronze qui s'entrouvent lentement sur un jardin de marbre, et quand il apparaît, au fond de l'aile éclair, on dirait Apollon sortant d'un sombre ébène. » Donc ici, on a une femme qui prend la parole au discours direct, donc on a une sorte de performance dans sa conquête d'identité, et la voix féminine est présentée comme désirante. Une certaine sensualité émane de la parole de la femme qui exprime son désir pour l'homme. On a une légère inflexion dans le discours, puisque cette fois-ci, c'est la femme qui prend la parole pour exprimer le désir, mais on retrouve toujours cette articulation femme et sexualité. La présence de l'homme noir dans ce texte pose la question de la race, de la couleur de peau, et ce poème d'amour met en scène la rivalité entre un homme noir et un homme blanc. Et ici, c'est l'homme noir qui prend l'ascendant. La fascination pour la couleur de peau pourrait donner une dimension doudouisante au poème, mais Drastawell semble le renverser par le jeu de parallèles de construction. Il est noir comme le diable, il est beau comme la nuit. La comparaison permet de revaloriser le corps noir et de le poétiser en faisant de celui-ci l'allégorie de la beauté à travers l'assimilation à Apollon. Donc la femme représentée par le poète féminin apparaît comme désirante, elle prend la parole et n'est plus éplorée passive, elle devient active et conquérante et endosse pleinement le rôle de femme matador, coquette et dominatrice, actrice de la conquête amoureuse sexuelle et actrice de la conquête de son identité. La prise de parole féminine et poétique va s'engager progressivement au début du XXe siècle. Il faudra attendre les sœurs Nardal et Suzanne Césaire dans les années 30, pour voir émerger l'engagement, l'affirmation de l'identité noire et féminine. Les sœurs Nardal annoncent les réflexions de la négritude, comme le montre ce texte de Paulette Nardal, datant de 1932. Les femmes de couleur vivant seules dans la métropole, moins favorisées que leurs congénères masculins au facile succès, ont ressenti bien avant eux le besoin d'une solidarité raciale. C'est ainsi qu'elles se sont éveillées à la conscience de race. Ainsi, avant l'émergence de la négritude, le discours de ces femmes interroge l'identité noire, notamment à partir de la position féminine.
Les plus discriminés ont produit plus tôt le discours sur leur identité et leur histoire. La question de la race est posée dans les écrits féminins avant de devenir la négritude avec Aimé Césaire. Et pourtant, on retient le nom d'Aimé Césaire, pas celui de Paulette Nardal. Alors, c'est un reproche qu'on a souvent fait à la négritude, qui a été critiquée pour son engagement masculin et qui a sans doute évincé les réflexions féminines. La question de l'homme noir semble évincer celle de la femme noire. Aujourd'hui, on commence à reconnaître l'engagement de ces femmes, notamment grâce au mouvement féministe, qui a permis un intérêt nouveau pour les écrivaines. En conclusion, on a pu voir que la femme martiniquaise est en proie à des discriminations intersectionnelles de race et de genre, et qu'elle doit effectuer ce double travail d'émancipation pour la femme noire, une revendication double et de sa diversité. La diversité, pour moi, me fait penser à la créolité, l'antillanité, qui sont des courants de pensée antillais, placés sous le signe du divers, donc l'exaltation de la multiplicité des origines. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une force d'être femme et de couleur, multiplier les identités pour créer. On retrouve cette forme dans l'écriture de Suzanne Dracius, par exemple, une écrivaine martiniquaise qui prône la pluralité d'identités. Dans son recueil de nouvelles, par exemple, La rue monte au ciel, en 2003, elle présente des femmes antillaises, fortes de leur métissage et fortes de leur féminité. La société martiniquaise doit donc être célébrée dans sa diversité, pas dans la division, pas dans la diffraction en groupe, mais prendre en compte sur un même territoire la diversité des cultures, des couleurs, des origines, mais aussi des sexes. Ainsi, on pourrait reprendre l'injonction de Suzanne Césaire dans « Malaise d'une civilisation » en 1942. Il s'agit de prendre conscience du formidable amas d'énergies diverses que nous avons jusqu'ici enfermées en nous-mêmes. Nous devons maintenant les employer dans leur plénitude, sans déviation et sans falsification. Tant pis pour ceux qui nous croient des rêveurs, et je dirais même tant pis pour ceux qui nous croient des rêveuses. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, sur laquelle on aura l'occasion de revenir tout à l'heure dans la discussion. Alors, je ne sais pas si Joseph Kébé est en ligne. Oui, il est en ligne. Donc, je vais vous donner la parole, Monsieur Kébé. Je rappelle que vous êtes doctorant contractuel en études germaniques à Sorbonne Université et que vous travaillez sur la littérature panallemande d'enfance et de jeunesse. Et votre propos aujourd'hui est intitulé « Entre idéal et altération dans la littérature d'enfance et de jeunesse des deux Allemagnes ». Et vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. Je vous prie de vous en tenir à ce temps-là, si c'est possible. Merci. Vous avez D'accord. La parole. Bonjour. Merci pour cette présentation. Bonjour mesdames, bonjour messieurs du public. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier les personnes ayant permis la tenue de ce colloque. C'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous. J'évoquerai aujourd'hui le traitement de la question raciale au sein de la littérature d'enfance et de jeunesse des deux Allemagnes et tenterai de montrer par la même occasion en quoi les représentations de race se situent entre un idéal et une altération. Étant donné que le sujet ne peut être compris sans prendre en compte le contexte politique de l'époque, j'aborderai ainsi quelques différences entre les deux états précédemment mentionnés. J'aimerais d'abord préciser que c'est à la suite de mes expériences dans l'enseignement secondaire, aussi bien en France et en Allemagne, que je me suis dirigé vers mon objet de recherche. En effet, bien que le paramètre de la race, que je n'utilise ici pas aux sciences biologiques, rentrait en compte aussi bien dans les discussions en salle des professeurs que dans celles entre les apprenants, le tabou sociétal l'entourant alors contribuait au maintien d'attitudes dommageables à court et à long terme au sein de la communauté éducative. C'est pourquoi j'ai décidé d'analyser les constructions raciales au sein de la littérature d'enfance et de jeunesse, en particulier celle des deux Allemagnes. Je fais ici référence à la RFA, soit Allemagne de l'Ouest, et à la RDA, soit Allemagne de l'Est. Le choix de la littérature d'enfance et de jeunesse comme objet d'étude s'est fait pour plusieurs raisons. Il s'agit non seulement d'un médium utilisé en milieu scolaire et donc censé transgresser les clivages de classe, mais il est aussi vecteur de valeurs et de normes censées être acceptables socialement. En effet, le plus souvent, des personnes adultes s'adressent à un public majoritairement enfantin ou bien adolescent. L'intérêt d'une analyse d'ouvrages provenant de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est est multiple. Il s'agit en effet de deux états aux idéologies antinomiques,
mais ayant pourtant eu jusqu'au découpage de l'Allemagne une histoire commune. Leurs oppositions idéologiques se retrouvent dans leurs politiques extérieures. Par exemple, Konrad Adenauer, le premier chancelier de l'Allemagne fédérale, souhaitait l'obtention d'un protectorat en Afrique en 1954, alors que l'Allemagne socialiste, à la même époque, soutenait les luttes d'émancipation anticoloniale. Mais cette opposition a aussi eu des conséquences culturelles. En effet, alors que l'État ouest-allemand n'était pas directement impliqué dans la production de la littérature d'enfance et de jeunesse, qui avait par ailleurs une portée ludique, deux maisons d'édition sous la tutelle de l'État est-allemand publiaient la majorité des œuvres de ce genre. Clairement, il s'agissait de contribuer au développement des jeunes personnalités socialistes. N'étaient ainsi publiées que les œuvres ayant été autorisées par les autorités étatiques. En outre, certaines œuvres publiées avant la création de ces deux Allemagnes et considérées comme étant à visée anti-impérialiste n'étaient pas disponibles ni à l'achat ni à l'emprunt en Allemagne de l'Est. Cependant, la volonté commune des deux États allemands de se démarquer de l'héritage national-socialiste les a amenés à être confrontés plus ou moins à certaines limites et paradoxes. En effet, un tabou autour de la question raciale était présent socialement. Celui-ci n'améliorait aucunement le traitement de cette thématique ou les expériences des minorités raciales dans les pays en question. Il était donc certes admis que le racisme existait, mais que ceci n'appartenait pas à la réalité d'un État socialiste. À l'Ouest, les racismes ont longtemps été considérés comme étant une particularité du nazisme. Ainsi, étant limité dans le temps, j'évoquerai brièvement deux classiques de la littérature d'enfance et de jeunesse allemande avant de me pencher sur le traitement de l'histoire coloniale allemande dans la littérature pour la jeunesse, car ce sujet résume de façon optimale le clivage Est-Ouest concernant la thématique raciale. Je précise toutefois que les constructions raciales ne seront pas réduites à la négritude, je me réfère ici à une prétendue condition noire. En effet, celle-ci n'existe pas en vase clos. Une analyse unidimensionnelle ne permettrait pas de prendre en compte toute la complexité de la question. Par ailleurs, lorsque j'utilise les termes blanc ou noir, je me réfère simplement ici à des constructions sociales pouvant varier en fonction d'une société ou d'une époque donnée. Un élément frappant concernant le corpus est le traitement de la question raciale, y compris dans la littérature fantastique. Par exemple, Jim Bouton de Michael Ende, publié pour la première fois en 1960 en Allemagne de l'Ouest, est considéré comme un classique outre-Rhin. Cette œuvre met en scène un jeune enfant trouvé noir, vivant dans un pays imaginaire et affrontant avec son mentor Lucas, un conducteur de locomotive, des créatures plus ou moins fantastiques. Plus de 60 ans après sa première parution, l'œuvre de Michael Ende est encore régulièrement mentionnée, aussi bien pour son statut que pour ses passages controversés. En effet, bien que l'œuvre soit considérée comme antiraciste par ses défenseurs, Jim est un petit garçon noir qui, contrairement aux autres personnages blancs, ne sait ni lire ni écrire. Il aspire de plus à devenir conducteur de locomotive, car, je cite, « ce métier correspondait si bien à sa peau », ou bien refuse de se laver, non seulement car il s'agit d'un petit garçon, mais que sa peau noire rend le lavage, je cite, « superflu ». Concernant l'Allemagne de l'Est, la version équivalente de Jim Bouton est Nobby, parue pour la première fois en 1955, et rédigé par Ludwig Renn. Ici, le personnage principal est un petit garçon noir vivant dans un village d'Afrique centrale et ayant reçu le don de communiquer et de dresser les animaux. Dans cette œuvre, les adversaires ne sont plus des créatures fantastiques, mais des marchands d'esclaves et des colons, ce qui correspond aux attentes liées à la littérature d'enfance et de jeunesse censée être à visée anti-impérialiste en Allemagne de l'Est. Une autre différence avec Jim Bouton consiste en ceci que l'auteur ait renoncé à l'emploi de termes négrophobes dans les rééditions de l'œuvre dès les années 1960, arguant alors que ceci était un manque de respect envers les efforts de, je cite, Martin Luther King ou Patrice Lumumba, par exemple. Cependant, les personnages noirs se retrouvent tout de même essentialisés et leurs caractéristiques physiques sont soulignées régulièrement par le narrateur, ce qui n'est pas le cas pour la blanchité, renforçant ainsi son statut en tant que norme. Ainsi, c'est dans la littérature coloniale de l'après-guerre pour la jeunesse que cette opposition idéologique est particulièrement marquée. En effet, malgré le fait qu'elle ait connu son apogée au cours du Troisième Reich, la littérature coloniale allemande
a continué d'être produite après la partition de l'Allemagne, mais avec plus ou moins de nouvelles caractéristiques. En effet, un sujet récurrent au sein de la littérature coloniale pour la jeunesse allemande de la première moitié du siècle dernier était la guerre menée par les troupes coloniales allemandes contre les Herero et les Nama en Afrique du Sud-Ouest de 1904 à 1908. L'Afrique du Sud-Ouest correspond aujourd'hui au territoire de la Namibie, et les événements de l'époque ont débouché sur le premier génocide allemand du XXe siècle. Ce sujet va cependant disparaître peu à peu à l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, une exception digne d'être mentionnée est la trilogie de Hans Walter Ulrich, publiée dans les années 60 et se déroulant pendant la guerre évoquée précédemment. Cependant, contrairement aux romans coloniaux populaires pour la jeunesse de la première moitié du siècle dernier, le massacre des populations colonisées n'est pas du tout évoqué dans la trilogie, malgré le fait que l'auteur mentionne que l'armée coloniale allemande a réussi à, je cite, « infliger une défaite totale à la nation Herero à Waterberg ». Dans la trilogie en question, Ulrich réhabilite l'histoire coloniale allemande. L'auteur nous informe en effet que le colonialisme allemand a réussi à apporter la paix dans un pays en proie à des guerres endémiques. En soulignant que ces aspects, les soulèvements des nations Herero et Nama sont dépeints comme ayant été soudains et injustifiés, puisqu'il n'est pas question ici ni d'abus ni d'autodétermination. Une position similaire apparaît dans « Qu'est-ce qui se passe en Afrique ?» de Josef Viera, se déroulant dans l'ancienne colonie allemande d'Afrique de l'Est, au cours des années 1920. Ni la répression violente de la révolte des Maji-Maji par l'armée coloniale allemande quelques années auparavant, ni la réalité de la colonisation allemande ne sont mentionnées dans l'œuvre, malgré l'ordre colonial clairement établi. Ainsi, il est difficile de déceler au premier abord le discours colonialiste de l'œuvre de Josef Viera. Par exemple, la représentation positive du père du personnage principal est soulignée par le fait qu'il ne cautionne pas la violence envers la population colonisée. Cependant, son argument contre cette violence est le suivant. Je cite « Les Blancs sont supérieurs aux Noirs qui ne sont pas encore complètement développés à certains égards. Par conséquence, les colons doivent être miséricordieux. Grâce à ces représentations positives aux yeux du narrateur, une réhabilitation du passé colonial de l'Allemagne a lieu. En conséquence, les personnages principaux, indépendamment de leur genre, toutes des personnes adolescentes blanches et allemandes, relèvent toutes sortes de défis et n'hésitent pas à corriger les personnes colonisées rejetant l'ordre établi. Pourtant, contrairement aux romans populaires de la jeunesse coloniale de la première moitié du XXe siècle, puisqu'une réflexion sur le colonialisme allemand qui expliquerait la situation n'est plus présente, les antagonistes, appartenant tous à la population noire colonisée, sont pathologisés. Ils sont ainsi dépeints comme frustrés, criminels, parfois alcooliques. De plus, les sentiments anti-blancs et ou germanophobes sont énumérés comme les seules raisons expliquant cette attitude rebelle et antagoniste. Les seuls personnages noirs dépeints de manière quelque peu positive sont ceux qui font comme ce qui a été ordonné, se rangent du côté des personnages principaux et ne remettent aucunement en question la relation maître-esclave. Pourtant, en raison de la race qui leur a été attribuée, ils sont encore diffamés et décrits comme étant paresseux, le lien entre négritude et paresse étant naturalisé dans ses œuvres. Ces représentations contrastent grandement avec celles des œuvres est-allemandes. En effet, une position anticoloniale est le principal marqueur de ces romans. Il n'y a donc pas de réhabilitation de l'histoire coloniale allemande. En conséquence, une condamnation du colonialisme et de la relation associée maître-esclave est présente. Puisque cette critique tend à être principalement exprimée par les protagonistes se trouvant être soit des personnages historiques Nama ou Herero comme Hendrik Witboy, Uwe Morenga ou bien encore Samuel Maherero, ou soit des personnages colonisés fictifs soumis aux exactions du pouvoir colonial allemand, comme les abus psychologiques, physiques, voire sexuels, pour en nommer quelques-uns, leur révolte planifiée semble justifiée. Ainsi, dépeint comme étant du bon côté de l'histoire et de l'humanité, le public ciblé est censé s'identifier à eux. Ils sont désormais considérés comme un idéal à émuler, comme c'était le cas concernant Nobby. Néanmoins, le binarisme habituel des romans coloniaux pour la jeunesse, c'est-à-dire noir-blanc, non-mauvais,
civilisée, sauvage est toujours utilisée. La principale distinction est que dans ces romans, les défauts habituels de la population colonisée, noire, c'est-à-dire le mal, l'immoralité, la sauvagerie, sont attribués aux colonisateurs blancs allemands. En outre, les trois auteurs établissent un lien clair entre le colonialisme allemand et le national-socialisme. C'est pourquoi des termes tels que boucher et bourreau sont utilisés pour nommer certains des officiers allemands, les mêmes termes ayant été utilisés pour nommer des criminels de guerre nationaux-socialistes. Les auteurs mentionnent aussi le fait que les officiers ayant participé au génocide des Herero et des Nama se sont reconvertis en partie pour contribuer au développement du nazisme. Pourtant, malgré leur marque d'antagonisme, les romans pour la jeunesse ouest et est allemand partagent certaines caractéristiques. Par exemple, les caractéristiques physiques des personnages noirs ont tendance à être soulignées, même lorsque les événements sont censés être décrits de leur point de vue. Il est évident que les auteurs ont recours en partie à une imagerie culturelle commune, considérant la blanchité comme étant la norme et la négritude comme l'altérité. Par ailleurs, je n'ai pas pu aborder l'association implicite entre blanchité et germanité, présente aussi bien dans les livres à l'Est qu'à l'Ouest, ni évoquer en détail l'influence du genre sur les constructions raciales ou bien encore l'absence de la thématique du handicap visible et invisible quand des personnages non blancs sont présents. Je vous remercie pour votre attention. Pour cette lecture des œuvres de jeunesse des deux Allemagnes, autant pour moi l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, qui part de l'opposition classique politique entre les deux Allemagnes, l'une plus pro-africaine et l'autre moins pro-africaine, et assez intéressant de revenir quand même sur toute cette littérature que l'on connaît très mal de ce côté-ci, en fait, du Rhin, si je peux utiliser l'expression. Je peux en parler parce que mon pays d'origine coloniale, c'est l'Allemagne, et que ma première langue est l'allemand, donc je peux en parler de l'intérieur, si vous voulez, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je ne vais pas me proposer ici, bien sûr, n'est-ce pas, de résumer toutes vos communications qui étaient très, très intéressantes. Et je vais juste rappeler qu'entre la sociologie, la littérature martiniquaise et la littérature allemande, nous avons là un ensemble de notions qui portent, bien sûr, n'est-ce pas, sur le sujet dont nous traitons aujourd'hui, à savoir, bien sûr, les manières de discriminer, les façons de discriminer, les portées de la discrimination. Alors, je ne vais pas, effectivement, n'est-ce pas, sur ces trois notions, donner mon sentiment, mais je voudrais laisser la parole à tous ceux qui voudraient l'apprendre pour que le débat ait lieu et que l'on tienne dans le temps qui nous est imparti. Donc, vous pouvez soit prendre la parole dans la salle si vous avez un micro, soit alors je donne la parole à notre modératrice qui, en fait, va se faire la porte-parole de tous ceux qui sont en ligne. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas effectivement à prendre la parole dans le chat et je relaierai vos questions. Il y a une première question pour Madame Seili. Une personne qui se pose la question dans quoi vraiment l'approche intersectionnelle permettrait de lutter efficacement contre les logiques managériales, en ce qu'en fait elle pourrait déboucher sur l'ouverture de quotas de représentation et que cette intersectionnalité pourrait rejoindre une logique d'ultra-individualisation. Qu'en fait cette manière de faire pourrait essentialiser les différences. Et la personne se pose également la question de si une approche dite colorblind, par exemple de CV anonyme, ne serait-elle pas valable à la place? Ça serait possible de répéter? C'est pas très clair en fait pour moi. Vraiment désolée. Alors, où je vais la lire complètement du coup. J'ai essayé de Oui, résumer un peu parce d'accord. qu'elle était longue, mais. Pardon. Et j'enlève mon masque. Alors, la personne demande, je n'ai pas compris en quoi l'approche intersectionnelle permettrait de lutter efficacement contre les logiques managériales comme le tokenisme, lesquelles prétendent valoriser des différences essentialisées et caricaturées. N'en est-elle pas justement l'achèvement? Ne va-t-elle pas déboucher sur l'ouverture de quotas de représentation, non plus fléchés exclusivement femmes issues de la diversité, handicapées, etc., mais selon toutes ces intersections, entre guillemets, à la fois? Cette intersectionnalité ne rejoint-elle pas la logique d'ultra-individualisation que vous sembliez dénoncer dans le discours managérial? Contre l'essentialisation des différences, l'idée qu'une personne est porteuse de compétences en raison de ses caractéristiques immuables, le management au féminin par exemple, pourquoi une approche cherchant délibérément à ignorer ces différences, approche dite colorblind, par exemple le CV anonyme, ne serait-elle pas valable à la place?
Il me semble que je ne suis pas complètement dans la contradiction avec, avec la question. Bien au contraire, hein, c'est plutôt la posture que je défends. Donc je ne sais pas si je peux répondre autrement que je ne l'ai fait dans mon intervention. Je suis totalement d'accord avec la question qui m'est posée, en fait. Donc je ne sais pas trop comment répondre autrement, à moins de ne pas l'avoir parfaitement saisie. Mais je me situe complètement dans ce sillage, justement. Oui. Je peux penser avoir compris une chose, c'est que les logiques managériales, dès lors qu'elles entrent à l'université, reproduisent en fait les défauts précédents dans votre propos. C'est ça que vous disiez, en fait. Oui, absolument. Oui. On peut voir que les logiques managériales, justement, qui prennent en compte notamment la posture individualisante et les logiques de compétences, sont aussi en réalité complètement introduites au sein des universités, et on peut s'attendre d'une certaine façon à ce que... En réalité, mon propos, c'est de dire qu'il faut aussi beaucoup réfléchir sur tous les dispositifs d'évaluation. Et on ne peut pas nier qu'à l'université, on est complètement sur ce registre, puisque les étudiants sont constamment évalués. On est en plein dans une période d'évaluation actuelle. Ces dispositifs d'évaluation, ils ne sont pas complètement déconnectés de rapports de domination existants, de genre, de race, de classe, etc. C'est des dispositifs qui sont pensés et qui méritent d'être repensés, d'être questionnés pour véritablement savoir ce qu'ils produisent. Et effectivement, moi, je vais plutôt dans le sens que, à partir d'une logique de compétences telle qu'elle se définit, et notamment les compétences qui vont valoriser les savoir-être, les savoirs comportementaux, etc., l'idée de savoir s'adapter, donc le tokenisme, etc., le tokenisme, c'est s'adapter en intégrant de manière... exacerber les normes d'être. Donc voilà, moi c'est plutôt à ça que vise mon intervention, c'est d'interroger les modalités d'évaluation, parce qu'elles sont pour moi principalement des indicateurs d'inégalité et de discrimination, et elles sont aussi pour moi aussi des indicateurs de coproduction des inégalités, enfin au moins des discriminations. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. La réponse était claire. Il y a eu un merci de votre réponse. C'est vrai, merci. Bon, si jamais il y a un souci, il faut pas hésiter de me contacter, même par mail, si je n'avais pas compris la question. Donc voilà. Bon, a priori, je l'ai comprise. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'en ai plein, moi, de questions. Eh bien, très bien. Alors, je vais commencer par la dernière intervention sur la littérature de jeunesse dans les deux Allemagnes. Enfin, dans les deux Allemagnes avant la réunification, il faudrait peut-être préciser aussi. Juste pour vous poser la question de savoir si vous avez réfléchi aux destinataires de ces livres de jeunesse, et pour vous interroger aussi si vous êtes penché sur la création en Allemagne de l'Ouest, ou ce qui tenait lieu autrefois, d'une grande association justement de livres de jeunesse, dont le but était de diffuser à l'intérieur de l'Allemagne, c'est encore le cas aujourd'hui, un certain nombre de ces œuvres-là, les dispositifs qui ont été mis en place et les destinataires en fait de ces œuvres en termes d'école ou bien en termes d'éducation. D'accord. Bonjour monsieur, je vous remercie pour cette question. Concernant les destinataires des œuvres est-allemandes, la plupart étaient destinées à un public est-allemand. Quelques rares œuvres parmi elles étaient publiées dans d'autres pays socialistes, et donc traduites. Il y a quelques exceptions, puisque l'un des romans colonial pour jeunesse que j'ai dû analyser est-allemand a d'abord été publié en Allemagne de l'Est avant d'être republié à l'Ouest. C'est aussi le cas pour d'autres œuvres sortant du genre du roman colonial de la jeunesse est-allemand. En ce qui concerne l'Ouest, les enfants est-allemands en général n'avaient pas accès à la littérature produite à l'Ouest. Donc la littérature produite en Allemagne de l'Ouest était plus destinée à un public occidental, si je puis dire, si on part du principe qu'à l'époque, l'Allemagne de l'Est n'appartenait pas à l'Occident. En ce qui concerne les efforts mis en place en Allemagne de l'Ouest dès les années 70, plusieurs universitaires et auteurs de livres pour enfants ont commencé à se réunir
afin d'améliorer, si je puis dire, les constructions, afin d'améliorer les constructions de personnages non seulement racisés, mais aussi de personnages genrés au sein de la littérature d'enfance et de jeunesse ouest allemande. Le sujet n'était pas vraiment abordé dans le monde universitaire est allemand en ce qui concerne les constructions. Voilà, donc comme je disais, depuis les années 70, des efforts ont été entrepris. Le but était aussi d'améliorer effectivement les conditions sociales pour non seulement les destinataires, leur permettre de développer des compétences interculturelles, mais aussi les personnes appartenant à des minorités raciales vivant en Allemagne et devant subir, si je puis dire, cette association regrettable entre les images propagées par certains livres de jeunesse et leur réalité quotidienne. Merci beaucoup. Est-ce que Alors, j'ai bien votre question? ah oui, très très bien, merci. J'ai une question pour Marie Lecloignet à propos justement de ces représentations que des femmes dans la poésie. Et en vous écoutant, j'étais en train de me demander si finalement ce n'était pas une chez les poètes que vous avez convoqués, Daniel Taly, Victor Dukesnay, tous ces poètes martiniquais, est-ce que ce n'était pas simplement une tentative dans l'espace de la poésie de reprendre des images qui étaient des images d'autres poètes, en particulier des poètes français du 19e siècle, pour faire poésie. C'est-à-dire que est-ce que ce n'était pas, je ne remets pas du tout en cause la question de discrimination, au contraire, mais est-ce que ce n'était pas aussi dans cette volonté-là de faire croire que c'était la seule manière de faire la poésie que de magnifier en fait le corps qui était le corps des femmes. Et je pense ici à tous les poètes du 19e siècle qui sont intéressés à la femme malabaraise, à la belle créole, en fait, toutes ces images-là que l'on peut faire remonter au 18e siècle, par exemple, chez les poètes réunionnais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, cet élément-là, qu'il faudrait prendre en compte dans la fabrique de la poésie, qui est une manière de représenter, certes, une réalité vécue par ces poètes dans les îles, mais qui est aussi une manière de représenter des stéréotypes qui étaient déjà dans la poésie, en fait. Oui, c'est ça, c'est une poésie qui est tout à fait aliénée aux images, mais aussi aux formes métropolitaines. Par exemple, le poème que j'ai convoqué, La Marchande Martiniquaise, c'est un sonnet. On n'est pas dans l'innovation poétique, c'est presque un exercice de style à la manière du poète métropolitain. Donc on reprend les mêmes thèmes, les mêmes schémas, et en plus la même structure poétique, sans questionner ni la forme, ni le contenu finalement. Donc oui, c'est tout à fait un exercice poétique à la manière de. Une volonté d'assimilation, peut-être de reconnaissance du modèle métropolitain, mais qui n'est pas brillant dans l'originalité, sans doute, qui ne remet pas en cause ces clichés. Bah, le poème de Drastawell, par exemple, est beaucoup plus innovant aussi au niveau de la forme qui est hachée, qui passe par des tirets, pas par le vers qui retourne à la ligne. Donc on a une interrogation sur la forme et sur le contenu des stéréotypes également. Oui, ce qui peut conduire effectivement à montrer que la discrimination, en fait, est une discrimination qui est paradoxalement double. C'est-à-dire qu'en fait, le poète noir, enfin, le poète mulâtre, martiniquais, discrimine la femme dans sa poésie tout en montrant le statut du poète discriminé qu'il est lui-même dans l'espace, en fait, de la littérature. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être, voilà, c'est un élément qui est assez intéressant, quoi, dans la réflexion sur les discriminations. On va passer au chat, je crois. Notamment pour Monsieur Kébé, mais je pense que tout le monde peut répondre aussi. Est-ce qu'on pourrait appliquer les critères de discrimination des Africains implicites de la littérature de jeunesse allemande à la littérature de jeunesse en France? Et est-ce qu'il existe aussi des recherches sur les représentations des Noirs dans les romans de jeunesse français? Monsieur Kébé, on vous demande de faire francophone maintenant plutôt que de faire germanophone. Vous avez compris? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. On vous entend. D'accord, très bien. Voilà. Il y a eu plus de recherches à l'heure actuelle effectuées en Allemagne par rapport à cette thématique plutôt qu'en France. Avant de commencer mon doctorat, je voulais faire une analyse comparée entre ce qui se faisait en France et dans les pays germanophones. Et j'avais lu à l'époque les travaux d'une brillante doctorante d'alors qui se prénommait Elodie Malanda et qui avait fait une analyse elle-même comparée et elle avait constaté que cette tradition en Allemagne d'analyser la construction de l'altérité au sein de la littérature d'enfance et de jeunesse est présente depuis les années 1970 environ. En France, il y a eu très peu d'études
si j'ai bonne mémoire, et celle-ci se compte sur les doigts d'une main. Même si je crois qu'en 2015, deux personnes travaillant à l'ESPE de, je crois que c'était l'ESPE du centre, voilà, ont analysé l'image de la construction de l'enfant noir dans les albums pour la jeunesse. Mais ça fait partie des rares exceptions. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il a répondu à la question? J'ai pas de retour dans le chat pour l'instant, mais si la personne peut se manifester dans le chat, ce serait super. Ben pour nous ici, vous avez répondu à la question. Oui. Hein, Ouais, moi, je veux bien aller complètement dans ce sens. Hein, la littérature jeunesse, pour être maintenant dans un INSPE, je commence à m'y intéresser. Et il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui proposent de faire des mémoires sur la littérature jeunesse. Et il y a une fo forte fo focalisation sur la question égalité filles-garçons. Et vraiment, voilà, je pense qu'il y a une production très importante en France de ces questions autour des questions de. Et je dis pas genre, hein, je dis variable sexe parce que c'est vraiment filles-garçons. On n'est pas encore sur la représentation, par exemple, LGBT+, dans des recherches qui peuvent être faites. Et la question raciale, donc comparative dans la littérature jeunesse, Et vraiment, on en est dans les prémices. Moi, j'ai pas tellement de. Je ne citerai pas, il y a vraiment très, très peu de travaux qui portent là-dessus en France. Et ça peut s'expliquer pour un certain nombre de choses, notamment l'appréhension du traitement de la question de la race en France. Si je peux me permettre d'ajouter juste une information sur la question de la littérature de jeunesse en France, il faudrait savoir que depuis la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu un fort développement en fait de la littérature de jeunesse en France et qui a donné lieu à un centre de recherche de littérature de jeunesse et à une revue qui s'appelait Ticam Ticou, si mes souvenirs sont exacts, dont la directrice vient de mourir d'ailleurs d'un cancer malheureusement il y a quelques mois, et qui est en fait la revue ressource de la littérature de jeunesse en France. Et il y a eu beaucoup de centres de littérature de jeunesse en France, en particulier à Paris 13 par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là même. Ah oui. Alors, donc, sachez que vous avez tout à fait répondu à la question de la personne dans le chat. Et il y a une personne qui nous signale aussi qu'a priori, il y a quand même quelques études sur le sujet et qui citait notamment une personne s'appelant Elodie Malanda. Ben, oui, c'est ce qu'il a C'est ce qu'il dit. a dit, Oui. ouais, absolument. Alors, il y a une question pour Marie Lecornier. Est-ce que le phénomène de doudouisme dans la poésie martiniquaise est un phénomène qu'on peut retrouver dans d'autres formes de poésie coloniale? Est-ce qu'il est possible de faire des rapprochements derrière une catégorie de poésie coloniale? Y aurait-il des différences évidentes, peut-être, entre différentes poésies coloniales? Je sais par exemple que la catégorie de la mulâtre était très présente aussi au Brésil. Bah, c'est une poésie doudou qu'on retrouve également, enfin avant l'abolition de l'esclavage aussi, puisque c'est un topic qui est hérité du colonialisme et qui s'est diffusé, enfin qui est également présent en Guadeloupe. La chanson que je convoque au début est guadeloupéenne. Donc elle est diffuse aux Antilles, cette idée, dans la littérature caribéenne notamment. Alors je ne connais pas du tout la littérature du Brésil, mais la mulatresse, oui, est très présente puisque c'est un croisement des genres et des violences aussi, à la fois raciales et sexuelles. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas qu'en poésie, on retrouve aussi dans le roman. Un roman de Drastawell également, elle a écrit roman et poésie avec ce mythe de la femme de l'entre-deux qui est dans ce roman partagé entre l'amour pour un esclave et l'amour pour le maître. Donc la doudou dans l'entre-deux à nouveau. N'hésitez pas à réagir dans le chat pour dire si ça a répondu à votre question ou pas. Peut-être que des personnes dans la salle veulent poser des questions. Bah, la doudou n'est pas partout, hein. La doudou n'est pas dans la littérature maghrébine, par exemple. Ça ne marche pas. Même si c'est une littérature francophone, ça ne marche pas du tout. Par contre, oui, on la trouve partout, y compris à La Réunion, au XVIIIe siècle.
Alors, je remercie tout le monde. A priori, on n'a plus d'autres questions dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la session suivante. On a tenu le temps, on a juste Absolument. Perdu 3 minutes. Merci. 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 Merci à tous. Merci. Merci.